Salut à toutes et à tous, c'est Vinky. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous emmener un week-end avec moi. On va aller au parc Astérix ensemble les gars. C'est trop stylé le parc Astérix, ça bombarde au niveau des manèges, c'est génial. Et voilà, let's go. Hey, vas-y, viens, vas-y, viens. Oh là là. Oh, t'es longue. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh, tu veux laisser ça là, attends. Bah non, parce que je vais... Non. Bon, tu le sens comment ce petit périple? Bah il est bien, enfin... Et il est bien, bah on n'a pas démarré, mais ouais. Cool. C'est moi qui conduis les gars jusqu'à Paris en Audi A3 S-Line. Danger public, j'arrive. Non, je rigole. Je conduis pas à Paris. Je suis trop dangereuse. Mais bah filme pas ma tête, cassons. C'est bon, ça fait 1 minute 30 que je filme. Ah bah oui, bah c'est bon. Là. T'as dit quoi? On s'est fait chourave la chambre. Bon bah voilà, on vient d'arriver. La première chose qu'on constate, c'est quoi? Il n'y a pas écrit dans le Airbnb qu'il n'y a pas de train. Et là, il y a quoi? Est-ce qu'on le voit d'ici, le truc du train? Là, on a un putain de train qui passe littéralement toutes les, je pense, tous les quarts d'heure. Donc super. Donc voilà, sinon la devanture de la maison, c'est cute. Donc là, on entre, on a la super salle à manger. Là, on va prendre l'apéro. Ça, c'est pas très cool. On a une super télé. Non, je rigole. Avec un salon. Et il y a évidemment des chambres incroyables que nous les enfants à chaque fois on se fait avoir parce qu'on n'a pas, parce que bah, on est des victimes, nous on prend les chambres de merde à chaque fois. Nous on est là pour boucher les trous en fait, hein, littéralement. Ensuite, je pense qu'il faut présenter les toilettes. Ah merde, il y a quelqu'un. Ah oui, c'est moi. Je voulais présenter les toilettes, Dédé. Et puis là, si on monte, on a plein de chambres, des douches et tout, et ça va être la chambre de cette nuit. Bon, c'est pas ouf, c'est Paris les gars, mais j'avoue qu'en plus ça sent un peu l'enfermé, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, Jade, tu fais ta douche? Ah, c'est bien, lave-toi parce que ça sentait pas très bon tout à l'heure. Et bref, voilà les gars, ça c'est... Je vous ai fait un room tour vraiment vite fait, hein. Là les gars, je vous passe juste des moments en deux spies comme ça. Mais le vlog principal, ça va être surtout au parc Astérix du coup. Ça va être grave marrant en vrai. D'ailleurs les gars, demain, programme, on se réveille tôt. À 9h on est au parc alors que ça ouvre à 10h. Et en plus, pour aller au manège qu'on veut, c'est-à-dire Osiris, je sais pas si vous connaissez. Et ben pour aller à celui-là, on va devoir courir. Ça va être la course dès le matin, ça va être insane. En vrai, ça va être incroyable. Ah du coup... Oh, du coup on s'installe ici. On a pas eu vraiment de chance. Parce que bah... On s'est fait jarter. C'est que mon pétage. On s'est fait pétage d'une violence. Qu'on ne connaissait pas et qui ne nous connaissait pas non plus. Bon bah on reste sur le cul du coup, on va rien faire. On a le seum mais on va rien faire quand même. Si on parle dans son vidéo. Ouais, on est des grosses filles. Purée, avec Enola on vient de se réveiller et on voit quoi, sérieux? Il fait moche. Genre il fait moche. Genre t'es mamateux du frère. On est dans la merde. Ça va les geeks? Mais non, on y va? Oui, on y va. Let's go. On va voir Astérix. C'est trop beau, ma censé courir à l'entrée de base. Si. On est à fond là, non? Là, ouh, ouh, la sur le front. Là. Voilà. J'en peux déjà plus. Ouais, t'inquiète, c'est au fond à droite. Un... On est d'accord, il y a toujours ce daron qui est toujours devant et qui court pour aller faire le manège, tu sais, en mode c'est le leader du groupe et tu le suis. Et rapidement, de France à Égypte. Ouais, sans blague, c'est génial. Ça, dès le matin, ça, c'est de l'attraction, moi, je te le dis. Et en vrai, c'est super beau. Hein. On est d'accord. Et en vrai, quand tu regardes la vitesse, ça va pas si vite que ça. Hein. Non, ça va pas. Putain, la base. Wow, ça fait bizarre.
Cet après-manège, c'était comment? Franchement, j'ai jamais vu une meuf aussi traumatisée toute ma vie. Par contre, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais faire une crise de panique. Hein. Et toi, Jade? Osiris. Au début, j'étais au bout de ma vie. Et t'as vu, tu rigolais sur la photo, à la mort de rire. Aussi, j'étais mort de rire tellement elle était traumatisée, c'était trop marrant. Bon, bah, ça part sur le Pégase Express. On devait aller au tonnerre de Zeus, mais c'est sur le passage, alors on y va. Comment ça le sent là, le tonnerre de Zeus? Tranquille. En vrai, tranquille. On passe de l'Osiris, ça sent en vrai tranquille. Dans le nez. Comment tu le sens là, en vrai tranquille? Oui, Emma, ça va même pas vite. Il m'avait fait peur celui-ci. En vrai, lui, il est tout petit, donc il est mignon. Non mais ça y est là, on y va. Non mais c'est quoi cette queue immense là par contre? C'est énorme. J'ai besoin d'être crispée en fait, là je peux pas. Tu peux te tenir la main Manon? Non, toi je tiens mon téléphone, espèce de folle. Au moins, Osiris, c'était rapide, mec. Tu rentres, tu pars, t'as pas le temps de faire ta vie. 40 ans. Là, vas-y, c'est chaud. J'ai envie de me pisser dessus, j'ai peur. Ah là! Alors, la découverte, le caleçon. Oh, le caleçon est changé. Oh, on voit pas, mais c'est des petits canards avec une culotte rose. Mais avant, c'était des cœurs. Lui, il est hard. Hein. Lui, on est vraiment dans la merde en vrai. Ouais, on est dans une merde, c'est ça. César maîtrise la situation. Que se passe-t-il encore? Toujours César? Ah, c'est ennuyeux.